attends, regarde-moi ce pouilleux là. C'est pire en dessous. La maladie de Narcus, les habits gratuits. En vrai, est-ce que tout n'est pas meilleur une fois que c'est gratuit? Oui. Pas les habits. La nourriture, je suis d'accord, mais pas les habits. Tu as pas vu, ah, t'as pas vu les cheveux de Liège, c'est les mêmes. Oui, je fais rien. Solari est-ce chemise. Est-ce que y a un des chemises Solari qui existe? Bah oui, Gudetama. Bah, sur la santé. Solari Shop.fr. Tu vois au feeling, genre, ouais, si je vois qu'ils sont en galère, je suis en mode hop hop hop. Non, mais tu dis genre. Allez, vous êtes, franchement vous êtes éclaté au sol 3 balles et vous avez. Ok, ouais. Ok, c'est pas mal ça. Ou tu vois, si quelqu'un file 500 balles, ouais, oui, tu dis bon, bah ça fera 3 jokers, mais voilà. T'improvises tout quoi. Pas quelqu'un qui veut donner 2 euros, vraiment, ils sont trop en galère. Nouvelle règle. Filez-leur un joker. Du coup, premier set event pour nous. Ça va être bien chouette, on a prévu plein de trucs pour le week-end, que ce soit en termes de donation goal, en termes d'activité, etc. Il vient d'annoncer qu'il était papa. Et on rappelle évidemment, Mathilde n'est pas au courant et ce n'est pas écrit, c'est une écrit nulle part, mais à 1 million de dons, on choisit le troisième prénom de l'enfant de Damien. Le premier étant Garoche d'ailleurs. Non, c'est son premier prénom, ça Garoche. Ah bon, c'est peut-être Garoche le premier, on verra. Bravo Alexandre. Merci beaucoup. Voilà, on peut passer à la vraie suite du programme. Ah non, c'était important. Et du coup, Solari. Et nous avons un premier duo d'exception. Ah, le duo de choc. Je pense que. On va pas dire c'est le meilleur de tous, sinon après vous allez partir, mais c'est un duo très solide. T'épouses et Oliesh. Oh, ça va être une question relative à la Belgique. Culture G de manière générale. Je pense que tu peux t'en sortir, Diego. Ah ouais? T'es pas convaincu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passif sur les quiz de Culture G? Lamentable, mais vraiment. On va essayer de mettre des poils dedans. Oh, mais là j'ai des poils partout. Hein. Non, mais ça va, y'a rien qui s'accroche. Hein. Oh, c'est horrible. Bah, t'es bientôt bon là. Faut que tu fasses bien sur les côtés là. Parce que là t'as des trucs très chauds. Est-ce que tu peux nous rappeler? Ah, j'avoue, avec le chapeau de cowboy, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous rappeler de qui provient cette idée, Rémi? C'est moi. C'est moi, ouais. Mais je pensais pas qu'on atteindrait, moi, par contre. Bah, comme quoi? En vrai, passer le premier moment de. En vrai, d'étonnement, je te jure, ça va bien. C'est vraiment pas si mal. Ouais, en vrai, ça va. Pas, c'est pas la même. Je suis assez surpris. Je te jure, ça te va ça bien. Ça passe franchement bien. C'est vraiment. Faut juste que tu tailles. T'as un côté qui est un peu plus long que l'autre. En vrai, c'est marrant. Mais. Non, stop. Bah, si ça arrête là, c'est. Faut mieux continuer là. C'est horrible. Ça marche pas avec Mam le chapeau. C'est horrible. Ah si, ça c'est pas si mal. En vrai? Merci. Faites tomber ses moustaches pour l'euro. Walter White sur la chaîne. La moustache qui descend, c'est celle de Tars. Elle est vraiment exceptionnelle. Nous allons être riches. Docteur Eggman. Oh, c'est exceptionnel. Je sais pas si je vais pouvoir aller chercher ma belle-fille à l'école. Non, mais moi je suis instituteur ou institutrice. Jamais de la vie, je la chambre en partir avec toi. Toi, elle va dire, elle a déjà fait ça, de dire c'est qui. Et la petite, elle a fait. Ah, mais là, mais pas sûr qu'elle. Là, elle va dire oh oh, je rentre pas avec lui. Ouais, ouais, que la moustache. Moustache comme nous. Oh là là. Ah, mais lui, il a beaucoup plus de barbe en plus. Oh vraiment. Il est dépité, ça me termine. Il a plus de pile. Il a plus de batterie. Oh, il est chocbar. Super Oliesh. Bravo. Merci Oliesh. Bravo Oliesh. Dans le parc derrière, il y a pas un truc avec des balles. Il y a lui. Oui, c'est vrai, Coco a raison. Il y a Pablo Escobar en plus en ce moment. Ah ouais, j'avoue, tu peux faire Pablo Escobar de fou. Ah, ça, c'est ça.
ça c'est au bord de la route. Il est de RP Pablo en fait. C'est bon. Est-ce qu'il y a un Canadien qui... Pablo escrocard. C'est celui-là. Ah mais en plus il est en trois fois. Il est dans la piscine assis devant une table. Ouais mais non, c'est celui qui est connu, c'est celui sur la balançoire. Ouais, ça fait un plus gros effet. Juste 400 jours, tu vois pas ce qu'il y a écrit en dessous. 401 jours, 402 jours. Et à la fin, tac, tu vois que c'est 100 sur le réparti. Foup, on enlève et on met 0. C'est peut-être bien qu'on parle gréco. Les dialogues, c'est pas notre fort. Au défait le triste, là. Moi, je fais rien. J'ai oublié de vous lire ça. Je voulais le lire en live en plus hier. Mon père, il m'a envoyé un message. Bravo pour cette superbe collecte. On a vu le rasage de barbe en direct. On s'est bien marré. Ils font très village people. Ma mère, elle m'a pas répondu. Elle m'a juste envoyé un smiley qui pleure. Ouais, mais au pire, avec un gros marqueur. Oui, mais celui-là, ça peut le faire. On a pas besoin de plus de ça. Elle doit être dans le hangar. Hein. Yo. Il va être bon, ce plan. Ouais, ça, juste, on voit Tars qui tac, ça fait zéro, ça dézoome et il y a la musique qui sens. Ça fume comme on est là. C'est bien, t'as bien fait en S. Franchement, non, pas mal, hein. T'es allé au CP et tout. Le sang, il est... Tu fais le... Donc, on voit le nombre de jours. T'es à 405, 406, 407. Ah, jour à la, non, à la fin, ça aurait été sinon, on garde le 407 et on dézoome et on voit jour sans salaire réparti. Oui, et là, on arrache les deux derniers. Attends, le 0, le 0, c'est le plus... 0, c'est dur, faut être symétrique. 0, faut être... c'est chiant. C'est une bulle. Quelqu'un a la vidéo des Sims, ça, non? Un petit teuf. Ah. Il est... Franchement, il passe. Ça va, il passe. Au début, on voit pas ce qui est écrit en bas. Non, on va pas. Je pense même pas qu'il y ait besoin de dialogue. Je pense que tu gardes ça caché. Mmh. On a juste ça. Une fois que t'arrives au 407, avant de les arracher, on dézoome pour voir jour sans salaire réparti en complet. Et donc là, on comprend que ça y est, spoiler, parce que deux secondes après, il va le reveal. Et là, il y a OD qui arrive, lui, en mode boué et tout, vraiment content. Et lui, il arrache les deux trucs. Et là, au moment où tu le vois arracher le truc, là, t'es con, ça te redonne... C'est vrai que ça peut être drôle, c'est là où je vois bien le truc du van qui arrive et limite, tu montes dans le van et vous partez en van. Ouais. Non. C'était sûr. Le big flop. C'était sûr. Tiens, ah. Si t'arrives, tu lui mets. Je lui mets, je lui donne la frite et je tire les deux, ouais, deux machins. Ça y est, c'est enfin l'été, on va pouvoir jouer.